Ça marche. Ça commence là? Bonjour, je suis Jean-Yves Siraud, astrologue, médium, numérologue et penduliste. Mon cabinet Repos Pincourt étant actuellement fermé à cause de la crise sanitaire, j'ai décidé de poursuivre mes consultations via email et écran si on m'entend parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Ça. Pas gagné, hein. Alors, c'est une vidéo côté cœur. Donc ceux qui veulent famille, argent ou travail, c'est pas ici. Je vais peut-être faire d'autres vidéos, mais là j'ai pas vraiment le temps. Et puis il faut que vous soyez plus clair dans les en-têtes de vos emails parce que j'ai mis des heures à trier, ça c'est pas possible. Mettez plutôt cœur, famille, argent, même problème dedans, ça c'est bon, ça c'est clair que rien, parce qu'après moi je pense que c'est un virus et j'éteins l'ordinateur. Donc on y va. Marie-Christine, on m'entend là? Marie-Christine, Indre-et-Loire, bonjour Jean-Yves, j'espère que hein, j'ai toujours été passionné. Faut venir au fait, Marie-Christine. J'ai eu un rendez-vous avec un homme avant le confinement, nous avons partagé un verre de soda, j'aimerais savoir si nous allons nous revoir. Bon, eh ben on va voir ce que les cartes nous disent, Marie-Christine. Marie-Christine, vous êtes Capricorne. Ah ben vous avez pas mis l'ascendant. Comment voulez-vous, Marie-Christine? Vous avez pas mis l'ascendant. Moi je suis médium, je suis pas dedans. Si vous me donnez pas les clés, je peux pas vous ouvrir les portes. Hein. C'est pas possible ça. Enfin bon, bah on va quand même essayer, même si là j'ai pas grand espoir. Hein. Je sens déjà une nature un peu bordélique et ça les fait fuir les hommes. Hein. Ils veulent pas des femmes qui mélangent tout, qui se trompent. Ça c'est pas. Qu'est-ce que je vous disais? Ben voilà. Ouais. Hein, vous avez un chemin de vie complètement chaotique. La Mercure totalement absente de votre thème astral. Saturne, j'en parle même pas. Mars. C'est laborieux, non, ça se fera pas. Attendez, parce que. Ouais, non, ça me confirme. Non. Ensuite. C'est pas réglé, là. Voilà. Zayunette 13. Je pense que c'est un pseudonyme qui a été pris, là. Bonjour, je suis Vierge, ascendant Scorpion. Voilà, merci. Je suis confiné. Bah oui, comme tout le monde. Mais mon ex, avec lequel j'étais depuis 7 ans, recommence à m'écrire. Est-ce une bonne chose? Oula, Zayunette, là, vous avez eu beaucoup de chiffres, là. On se calme, on va reprendre ça depuis le début. Je vais en faire appel à la numérologie. 13, c'est quoi? 13, c'est Bouches-du-Rhône. 7 ans de relation, 7 ans, 7 ans, 7, c'est l'Ardèche. Alors, si je trace un trait entre l'Ardèche et Bouches-du-Rhône. Non, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Bah, c'est la diagonale descendante. Alors, tout de suite, ça veut dire que c'est fini. De toute façon, c'était déjà fini, même quand vous étiez avec lui. Ah oui. Ouais parce que, attendez, je vais vérifier un truc parce que ça me chiffonne là, il y a un truc qui m'énerve. Zayunette Z, A, Y, compte triple. C'est quand même dingue que vous n'ayez pas mis votre vrai nom parce que là c'est des bouts de ficelle, là, c'est pas. Non, j'ai 15, chiffre 15 c'est pas bon. Bah c'est un numéro d'urgence et puis c'est un chiffre impair, ça veut dire que vous pouvez continuer à lui écrire mais de son côté il n'y aura pas d'affection, il fait plus ça pour s'occuper. Ouais et puis après hein, c'est à vous de faire des efforts. Hein. Allez, un dernier. Ça filme encore là? J'ai pas l'impression que c'est. Oula. J'ai pas l'impression que ça file. Bonjour, je suis célibataire depuis un an. Ça doit être un signe d'eau. Je suis lion, ascendant balance. Les deux ensemble, ça fait l'équivalent d'un poisson. Quand vais-je trouver l'amour? Alors ça. Ça c'est. Alors j'ai pas de pendule. Donc du coup, je vais prendre un pinceau que j'ai énergisé juste avant la séance. Alors on fait deux points. Ça c'est vous. Ça c'est l'amour. Et on voit. On y va, allez. Alors l'amour, je sais pas, mais vous avez le Corona. Voilà. Comment vous appelez d'ailleurs? Parce que Coralie, bah Coralie, Corona. Bah oui, ça c'est un signe, ça. Après, par contre, je suis désolé, mais ça c'est des questions santé. Moi, j'avais dit côté cœur. Donc après, si vous n'êtes pas capable de savoir vos demandes, oui, bah ça a coupé là, de toute façon. Bon, ouais, ça a coupé là. Je suis Jean-Yves Siraud, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Au revoir.